La transition énergétique est un projet de loi ambitieux qui a des objectifs écologiques et économiques. Il s'agit de protéger l'environnement, d'alléger les factures énergétiques. L'objectif principal, diviser par deux la consommation énergétique finale de la France d'ici 2050. Comment y parvenir? Il faut améliorer le bilan énergétique des logements. Le gouvernement a donc annoncé trois mesures concrètes. Le parc immobilier français doit être entièrement rénové aux normes BBC, bâtiment basse consommation, d'ici 2050. Un carnet de santé numérique du logement va être créé dès 2017. Il permettra de connaître la consommation au mètre carré de votre logement et d'évaluer les travaux pour la réduire. Les propriétaires auront l'obligation par ailleurs de réaliser des travaux de rénovation énergétique en cas de ravalement de façade, de changement de toiture ou simplement d'aménagement de nouvelles pièces. Pour inciter les particuliers à réaliser ces travaux, le gouvernement a mis en place trois aides. Le crédit d'impôt pour la transition énergétique, qui n'est autre que l'ex-CIDD, crédit d'impôt développement durable. Vous pouvez vous faire rembourser jusqu'à un tiers de votre facture de travaux depuis le 1er septembre 2014. L'éco-prêt à taux zéro. Vous pouvez emprunter jusqu'à 30 000 euros, remboursable sans intérêt sur une période de 10 ans. Enfin, le chèque énergie pour les ménages les plus modestes. Il fonctionnera comme un chèque restaurant. Il permet de régler les factures de chauffage, mais aussi de réaliser des travaux.